السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مغترب جزائري يتكلم عن لقطة اليوم بين الكوتش بالماضي واللاعب سعيد بن رحمة. تابعوا معنا هذا الفيديو. اربي 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 سي با بوسيبل فو ريفي با. C'est Saïd Ben Rama qui se fait attraper par le callback par Jamal Belmadi. Je vous explique, c'est une histoire qui se passe en 4 temps. Jamal Belmadi fait des changements, bien évidemment. Il sort Saïd Ben Rama, un des joueurs que j'aime énormément, mais qui est éclaté au sol en sélection. Il sort pas d'un bon match. Jamal Belmadi le sort, bien logiquement, parce que c'est le premier mec qu'il fallait faire sortir. Saïd Ben Rama est frustré de sortir, chose que je peux totalement comprendre. Et il passe devant Belmadi. Vous voyez qui est en train de lui tendre la main, comme ça. Et il a rien trouvé d'autre de plus intelligent que de pas lui serrer la main. Résultat des courses. Hop, hop, hop. Viens là, je peux vérifier ton sac. Il le chope par le callback. Viens là, viens là, viens là, viens là. Comment ça tu me serres pas la main? Comment ça tu me serres pas la main? Je pense qu'il a dû lui dire ça à peu près. Oh là, arrête gros, je suis une tempe. Je te serre la main, tu me serres la main. T'as le droit d'être frustré tout ce que tu veux. Quand je te serre la main en te sortant du match, tu me serres la main. Maintenant, on va mettre les choses au clair. Est-ce que Jamal Belmadi devait faire ça? Non. Est-ce que Ben Rama devait faire ça? Non. Est-ce que les deux ont eu des réactions d'humains naturelles, à chaud, frustrés par le score du match, par leur performance? Oui. Est-ce que c'est quelque chose de grave? Non. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment pas cool et qui donne vraiment pas une bonne image? Oui. Est-ce que ça doit se reproduire? Non. Est-ce qu'on doit en vouloir à Ben Rama ou à Belmadi? Non. C'est humain. Le foot, c'est un sport. Et comme tous les sports, il y a des émotions. Je peux vous dire qu'ils rentreront dans les vestiaires, ils parleront comme des hommes. Il y en a un des deux, voire même très certainement les deux qui s'excuseront l'un envers l'autre. Parce que les deux savent qu'ils ont eu un comportement déplacé, c'est clair et net. Tu n'as pas à ne pas serrer la main de ton coach. De la même manière qu'en tant que coach, tu n'as pas attrapé ton joueur par le col. Des fois, la frustration, ça sort de la pire des manières. Mais ne dramatisez pas cette histoire, les gars. C'est juste deux hommes qui ont un petit peu extériorisé tout ça, physiquement. Mais vous inquiétez pas. On arrive plus près que jamais et je vous garantis que cette histoire elle est déjà réglée. Après en commentaire j'aimerais savoir pour vous qui est le plus fautif. N'en faites pas toute une histoire, mais pour vous qui est le plus fautif, le joueur qui refuse de serrer la main à son coach ou le coach qui craque et qui attrape le joueur par le col? Dites-moi ça en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager si vous voulez rien rater. La CAN elle arrive et les 600 000 qui vont avec, et ça c'est grâce à vous.